créatures horribles. J'avais conscience que le cerveau était capable de bien des choses surprenantes. Mais jamais je ne me serais douté que ça m'arriverait aussi. Jamais je n'aurais pensé avoir à affronter ce genre d'expérience. Enfin, plutôt ce genre de cauchemar. Je vais parler d'une expérience qui m'est arrivée il y a environ 2-3 ans, ouais. Je ne sais plus exactement, mais c'était dans une période assez difficile. En fait, j'ai des périodes en fait, où je ne sais plus trop comment ça s'appelle, où j'ai des phases de dépression, et ça peut aller assez loin comme ce qui a pu m'arriver, dont je vais vous parler en fait. Un soir, alors je ne sais plus quand exactement, j'étais pas bien, j'avais depuis plusieurs jours, j'avais des idées noires en fait, et un soir, je me suis dit, parce qu'en fait, à ce moment-là, je voyais une psychiatre et une psychologue, parce que la psychologue ne suffisait pas, toutes les deux m'avaient dit, si ça va pas un soir, t'hésites pas à appeler les urgences, parce qu'il faut pas que tu fasses de conneries, quoi. Et du coup, j'avais appelé les urgences, qui étaient venues me chercher chez moi, chez mes parents. Une fois arrivé aux urgences, on m'a mis dans une salle, alors je sais plus comment ça s'appelle, une salle d'attente, d'isolement, quand on est tout ça pour pouvoir faire voir la psychologue. Et en attendant, j'allais pas bien, parce que à ce moment-là, je me mutilais, en fait. Et j'avais pas pu le faire, j'avais eu des pulsions toute la journée en fait, parce que quand on se mutile, ça marche en général par pulsion, un surplus de pas mal de choses qui nous pourrissent le moral, et le seul moyen qu'on peut trouver pour pouvoir évacuer en fait, c'est de se couper. C'est en fonction de chaque personne la façon dont on se coupe, hein, mais en général c'était au rasoir, mais j'avais pas pu le faire dans la journée, donc il y avait un cumul de j'étais très nerveuse, j'arrivais pas à me concentrer correctement et tout, et arrivé à l'hôpital, enfin aux urgences, quand j'étais dans la salle, j'y pensais, j'avais envie de me couper, je me suis dit il y a pas mon père, pas ma mère, donc je peux, ça va le faire. Et puis du coup j'avais essayé de trouver quelque chose de coupant dans mon sac, j'avais rien. J'ai toujours eu cette habitude quand ça allait vraiment pas de me parler à moi-même, de chuchoter ou de parler à haute voix en me parlant à moi-même, mais c'était comme une deuxième personnalité qui parlait avec moi, enfin je me parlais à moi-même mais je me répondais en même temps, donc c'était c'est assez assez spécial, et j'ai toujours eu du mal à en parler, j'ai dû en parler à deux personnes maximum, parce que c'est assez délicat, et puis je sais pas forcément où ils comprennent pour une tarée non plus. J'avais rien trouvé dans mon sac, donc j'étais partie à la petite fontaine d'eau qui est en général dans les espaces publics, dans les salles d'attente, etc. J'avais pris un gobelet, j'avais trouvé le moyen en essayant de le couper avec mes dents en fait, pour pouvoir essayer de me couper avec. Ça va marcher. Et là, j'ai commencé à m'énerver. Je savais pas, j'essayais de faire le vide dans ma tête, de plus penser à rien, de pas écouter ce qui se passait autour de moi. En fait, à cette époque-là aussi, je faisais des crises de panique. Aujourd'hui, ça s'est calmé, j'en fais très rarement. Mais à ce moment-là, c'était assez fréquent, donc j'ai commencé à pas en faire une. C'était un mélange de crise d'angoisse, crise de panique, parce que pour moi, comme je connais les deux, je fais la différence entre crise de panique et crise d'angoisse. Une crise de panique, pour ceux qui savent pas, c'est une respiration saccadée, on a l'impression de plus pouvoir respirer, qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va mourir, tout ce qui peut être horrible en fait, enfin tout ce qui peut nous arriver d'horrible, on a l'impression que ça va arriver en fait, donc ça nous fait peur, c'est la panique quoi, c'est tout.
Alors que les crises d'angoisse, c'est clairement de la sueur, mal au ventre. On peut tomber, ouais, dans les pommes. On tremble. On est vraiment mal à l'aise. Voilà, c'est assez différent du coup. C'était un peu un mélange des deux et c'est là que j'ai commencé à me parler et à me répondre. Je commençais à stresser. Enfin, j'étais vraiment angoissée parce que je commençais à réaliser que c'était pas normal, que ça revenait. C'est le fait de me parler me revenait. Je savais de base que c'était pas habituel, c'était pas normal en fait que je réagisse comme ça, que j'aurais dû essayer de me calmer. Mais quand je suis en dépression, je cherche pas à lutter ni rien. Si un truc qui se passe pas bien, pour moi c'est une fatalité, c'est normal, ça m'arrive, bon bah je le mérite, enfin, c'est la dépression quoi. Et du coup ouais, j'ai continué à me parler pendant plusieurs minutes et je me chuchotais à moi-même. Enfin, au début c'était dans les pensées. J'avais peur qu'on m'entende. Puis au final j'ai commencé à chuchoter. Le chuchotement est devenu de plus en plus fort. Limite, je pouvais parler normalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Petit à petit, j'en avais parlé à ma psychiatre. Elle m'a dit que c'était une sorte de dissociation de personnalité, ce qui fait que on peut, alors pour donner un exemple, peut-être un schéma, je ne sais pas, pour essayer de visualiser le truc. C'est comme si à gauche, il y avait une personne, une personnalité, une voix qui parle, à droite une autre, et puis il y a moi. Et en fait, la voix de gauche essaie de me rassurer, me dire que tout va bien se passer, que je vais être prise en charge, que ça va aller mieux, on s'occupe de moi. Et la voix de droite, cette petite voix que tu as en tête quand tu es en dépression qui me dit mais tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. T'es débile, t'es exécrable, tu es pire au monde, en fait, t'es une erreur. Puis il y avait moi qui observais cette scène, mais en même temps, je chuchotais, enfin, je parlais. Enfin, ces deux voix se parlaient, mais c'était moi qui parlais, en fait. Et il y avait moi qui était là en train d'observer ce qui se passait, en fait. Et c'est assez bizarre à expliquer parce que moi qui observais tout ça, je ne parlais pas. C'était deux personnes, deux voix, deux personnes qui faisaient partie de moi, du coup, qui se parlaient entre elles. Mais moi, je contrôlais pas ce qui se passait. Je regardais, je paniquais intérieurement parce que je voyais bien que c'était pas normal, que c'était la première fois que ça m'arrivait, et voilà. Et un moment, en fait, j'ai craqué, j'avais pas trouvé le moyen de me couper. Ce que j'ai fait sur un gros coup de nerf, parce que ça, en attendant, je me tendais vraiment, comme j'étais angoissée, ça allait vraiment pas. Et je me suis dit, mords-toi. Enfin, voilà, je sais pas trop ce qui m'a pris, c'était une grosse pulsion. Et voilà, je me suis mordu le poignet gauche. C'est limite, je me suis mangé moi-même en fait, parce que aujourd'hui j'ai une cicatrice. Et je me suis mordu, je me suis arraché la peau avec les dents et je l'ai mâché quoi. C'était le fait d'en parler, c'est vraiment étrange et ouais, c'est pas normal. Et aujourd'hui encore je me pose des questions parce que quand ça va pas, je me parle encore à moi-même, je me réponds, ça reste et ça crée un sentiment de malaise en fait, parce qu'au final je me rends compte que je contrôle rien. Et que quand ça va pas, le cerveau il peut être capable de faire tout ce qu'il veut, quoi. La preuve, en fait, quand je me suis mordu, quand je me suis arraché la peau, j'ai rien ressenti. Normalement, on devrait avoir vraiment mal. J'ai quand même pas mal saigné. Et j'ai rien ressenti. Et
j'ai dû attendre, enfin, avant de pouvoir en parler, de me dire, ouais, bah, faut quand même que tu vois une psychiatre et une psychologue, faut quand même que t'en parles. J'en ai parlé à ma psychiatre qui m'a dit que c'était une sorte de dissociation de personnalité, mais m'a pas trop éclairé sur le sujet, du coup ça reste assez vague pour moi aujourd'hui. Et quand j'essaie d'en parler à des gens, bah, c'est ah, oh, mais t'es taré, voilà, je t'approche plus. Bah, mais les gars, c'est pas drôle en fait, voilà, les gens ils prennent ça tellement à la légère. Même des gens qui ont connu la dépression, quoi. Donc, voilà, c'est pas. C'est un mauvais souvenir. Très mauvais souvenir, en fait. Et depuis, je fais plus de crises de panique. Hein, c'est relativement mieux, mais. Voilà, c'est pas simple. Bah, rien que déjà en ayant connu une crise de panique, de se dire, bah, tu peux péter un. Ouais, tu peux péter un câble d'un moment à l'autre sans avoir de réelle raison de le faire, quoi. Les crises de panique, elles arrivaient comme ça, pour moi en tout cas, elles arrivaient comme ça. Et fallait toujours improviser sur le moment même, quoi. Trouver une chaise, s'asseoir, attendre. Mais quand c'est le cerveau qui. Je sais pas, c'est peut-être l'inconscient qui prenait le contrôle, je sais rien. Du coup, c'est assez vague pour moi aujourd'hui et voilà, je voulais quand même faire part de cette expérience qui était très très étrange, très désagréable et marquante du coup. Je sais pas si ça peut éclairer certains sur le sujet, s'il y en a qui ont déjà connu ça ou non. Mais en tout cas, merci à toi Clarence de pouvoir nous laisser nous exprimer là-dessus sur nos expériences et peut-être essayer d'aider des gens. Voilà. Donc voilà, merci pour l'écoute. Salut. Il y a des gens.